Me voilà. Tu es venu en ne recourant qu'à la force. Et je suis prêt à te montrer de quoi je suis capable. Prends ça! Tu perds ton temps. Tu n'es pas digne de cette épreuve. Tu transpires la peur. Tu me sous-estimes. Prolongez le combat. Ton impétuosité aveugle ne prouve rien d'autre que ton manque d'assurance. Ce ravin comptera bientôt un cadavre de plus. Tu ne me laisses pas le choix. Je suis pas venu jusqu'ici pour crever. Je t'attends. Viens! Tu as du potentiel. Quel dommage de le gâcher. Quand feras-tu enfin preuve de lucidité? Je vois que tu sors en jeu. Peu importe. Je peux pas me permettre de reculer maintenant! Thank you.
Allez. Qu'est-ce que ça aurait été si on m'avait pas aidé? T'as raison, je dois l'avouer, j'ai parfois été paralysé par la peur. Mais je sais maintenant que je peux la surmonter, et ça me permettra d'avoir plus confiance en moi. Même si j'aurais retenu que ça, ça valait le coup de venir. Je retourne auprès du roi. J'ai peut-être tendance à recourir qu'à la force. Mais je suis capable de le protéger. Et je le ferai avec conviction jusqu'au bout. Dans ce cas, tu es digne d'être bouclier. Oh. Les doutes et les peurs pavent le chemin de la mort. Ceux qui ne peuvent reconnaître leur propre faiblesse ne méritent pas d'être bouclier du roi. Ton cœur est brave. Il n'a rien à envier à la grandeur de ta force physique. Le roi élu a besoin du meilleur des soutiens. Je suis ravi que ce soit toi qui le lui apporte. Alors je... Tu as mérité que je te prête ma force, par l'intermédiaire de cette lame. Elle appartenait à un jeune homme doté d'une volonté d'acier. Celui-là même qui m'a coupé le bras autrefois. Oh. Mais alors... S'il est encore en vie, il a sans doute acquis une technique à la mesure de sa force d'esprit. Bien meilleure que lorsqu'il maniait ce sabre. Sûrement. Dans ce cas, je l'accepte avec honneur. Bien. Va maintenant. Que ton esprit demeure clair et ta volonté inflexible. Le roi élu t'attend. Le Lucis ne connaîtra pas de meilleur bouclier. Merci pour la leçon. Alors, l'épreuve. J'ai réussi. Tu as fait vite. Ça ne m'étonne pas. Gilgamesh m'a donné ça. J'ai tout de suite compris d'où il venait. Oh. Ça remonte à loin. On fait mieux qu'une blessure comme souvenir. Tu as bien mérité ce sabre. Apparemment, un garçon impétueux est venu ici autrefois. Il paraît qu'il a coupé le bras du maître d'armes. Ah bon? D'après Gilgamesh, il avait des qualités hors du commun. Il était notamment doté d'une volonté inébranlable. La volonté seule ne suffit pas à réussir l'épreuve. Il faut également une technique irréprochable. Sans une parfaite combinaison des deux, on est voué à l'échec.
Ouais. Mais il m'a aussi dit que si cet homme est encore en vie, il a sûrement acquis une technique digne de sa force d'esprit. Pas vrai? Gladiolus. Hmm? Bravo. Tu peux être fier de toi. C'est un exploit. Tu as réussi là où même corps l'immortel avait échoué. Dites pas ça, vous étiez encore qu'un adolescent à l'époque. C'est fort. En tout cas, je suis content de l'avoir fait. J'en ressors plus confiant et plus déterminé que jamais. Tant mieux. Bon, allez. C'est peut-être temps que le bouclier retourne auprès de son roi. Père me battrait le train s'il était là. Ouais. D'où la cicatrice. Voilà, t'as tout compris. Pile sur celle que t'as reçue en sauvant Noct. C'est comme une médaille de plus sur le front, en fait. Pas faux. Enfin, pas tout à fait. Celle-là, c'est plutôt le souvenir d'un sermon très musclé. Intéressant. Le maréchal était bien jeune pour tenter une telle épreuve. Tu m'étonnes. Ça devait être une sacrée tête brûlée. C'est vrai que mon père m'en a raconté de belles. Oh, sérieux? Si Gilgamesh vivait à l'époque du premier roi, il s'est reclus dans ses grottes il y a environ 2000 ans. Il a dû s'ennuyer. Il a passé des siècles et des siècles à attendre l'arrivée du roi élu. Ça prouve à quel point t'as un rôle important, Note. Bah, maintenant je suis là. T'as pas l'air de te rendre compte. Ouais, c'est navrant. Je te jure. Je suis pas devenu bouclier pour protéger un fanfaron. Mais je serai prêt quand tu auras besoin de moi.